Chers amis du diocèse de Liège, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fête de Noël et une très bonne année 2014. Noël, c'est une fête de la joie. C'est une fête qui nous replonge dans les sources de notre foi. Le pape François nous le rappelle dans sa dernière lettre Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile. Oui, au cœur de notre vie, il faut de temps en temps s'arrêter, faire la fête. Il faut avoir l'occasion de rire, de faire de la musique, de chanter, de raconter des histoires, de se retrouver en famille, de manger ensemble, de s'arrêter par rapport au rythme habituel de notre vie. C'est donc au cœur de l'hiver ce moment exceptionnel qui nous permet de vivre la joie. Évidemment, dans la fête de Noël, il y a un paradoxe. Pourquoi fête-t-on la joie alors que Jésus, que nous fêtons, n'était pas accueilli dans la joie, mais au contraire, était refoulé hors de l'auberge du village au moment de sa naissance? C'est le mystère de la pauvreté, de Dieu qui veut naître pauvre parmi les pauvres. Cela nous invite à la solidarité. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que dans notre société, beaucoup de personnes risquent de vivre la pauvreté ou la vivent déjà. Je l'ai souligné dans une lettre écuménique adressée aux chrétiens des différentes églises à propos de la situation d'ArcelorMittal. Nous trouvons que nous, responsables d'église, devons engager chaque chrétien à être solidaire de ceux qui sont mis à la porte de leur travail, des travailleurs qui sont mis au banc de la société. Ça nécessite de l'amitié, de l'accueil. Et le temps de Noël nous invite à cette démarche. J'ajouterai que cette solidarité, c'est aussi un signe d'espérance pour le futur. Lors de l'évangile de Noël, les anges disaient aux bergers « Vous trouverez un signe. Ce signe, c'est un enfant. » Oui, l'enfant, le pauvre, le petit, est un signe. Et les anges le disent « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre aux hommes qu'il aime. » L'enfant est un signe de paix. Alors, dans cet esprit, je vous souhaite vraiment à tous une fête de Noël, de paix et d'espérance, et une excellente année 2014.